les prophéties. S'accomplit ce sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Répandez-vous ou vous mourrez. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Si le Seigneur revient, tout à l'heure, le ministre Lacko interprète la première fois. Nous savons que parmi nous, n'est pas de douleur, ne vous en faites pas. Mais c'est pour eux qu'il y a des personnes qui rentrent et qui se saisissent des vieux des frères. Donc, là, parce qu'il n'y a pas de douleur au milieu de nous, que nous ne pouvons pas être plus tard. Donc, en toutes choses, soyez plus tard. Et vous avez. Les salutations de cette de Dieu, c'était un peu les connaissez, d'autres vous ne les connaissez pas, vous connaissez particulièrement le pasteur Joe et le pasteur Nathan. Parce que les deux ont déjà intervenu au fils pour nous donner la parole de Dieu. Donc tous vous saluent, chers de Dieu. Et ils sont venus, ils ont donné notre invitation, parce que le frère Franck vient le tout. Le 11, oui. Et le 12 et le 13. Le 12 c'est un samedi. Le 13 c'est un dimanche. Mais les réunions commencent à partir de 15h. Donc je pense qu'après le samedi, tout le monde y sera. Le dimanche après le culte, à 15h, nous allons vous orienter à le courant pour écouter la parole de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, on ne se lasse pas d'écouter la parole de Dieu. C'est toujours merci d'écouter la parole du Seigneur. Lui, on peut les autres écouter les autres. Les hommes peuvent changer. Mais écouter Dieu, c'est la meilleure des choses qui soient. Donc je pense que nous allons tous faire un mouvement. C'est un secteur de Dieu expérimenté. Nous savons ce qu'il a arrêté dans notre marche spirituelle. Vous voyez, c'est vrai. Le messager a, comme on le dit, ramener le cœur des enfants de Dieu à la parole de Dieu. Le messager, il est décédé. Maintenant, le serviteur fidèle et prudent, il est un serviteur fidèle et prudent. Qu'est-ce qu'il a fait à son tour? Il a pris la parole, il l'a distribuée. Et il a interpellé les enfants de Dieu à les regarder à la parole de Dieu. Il dit, par le frère Thomas Franck, nous pouvons aujourd'hui dire qu'à cause de ce que le Seigneur l'a utilisé, nous avons gardé nos églises. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Quand nous étions de l'autre côté, bien aimé, quand nous sommes sortis de l'église, quelques mois après, toute l'église a basculé dans la doctrine de l'autre. C'est incroyable. Mais pourtant, c'est ce qui a été. Quand on ne fait pas les choses comme il se doit, on épouse n'importe quel esprit. Mais pourtant, lorsque nous y étions, tous, on croyait au ministère de Dieu. On croyait à la doctrine de Dieu. Mais Dieu nous a fait sortir. À peine Dieu nous a fait sortir, ça n'a pas duré, le pasteur est passé à autre chose. Ça veut dire que demeurer dans la doctrine de ce Seigneur, c'est une question de grâce de Dieu. Amen. S'il n'y a pas de grâce de Dieu, c'est fini. Alléluia. Donc, dimanche, samedi et dimanche, nous irons là-bas pour écouter le message que Dieu lui a donné pour nous apporter en Côte d'Ivoire. Nous allons prendre nos livres. Dans le livre d'Ésaïe, nous allons continuer notre sujet.
Esaïe 51. Esaïe 51. Au verset 2. Oui. Esaïe chapitre 51 à partir du verset 1. Oui. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Alléluia. Vous voyez, quand vous venez dans la maison de Dieu, ça vous prête attention. C'est pour t'écouter. Et le Seigneur s'adresse ici à qui? À ceux-là qui aiment à l'écouter. À ceux-là qui aiment pour suivre la justice. Nous savons ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. N'est-ce pas? Apocalypse 19. Réjouissez-vous. Soyez dans la allégresse et donnons du gloire. Quand les autres l'agneau sont venus, et quoi? Et quand ils sont debout, c'est préparé. Il lui a été donné, nous allons dire cela, et puis nous allons revenir, je ne vais pas écorcher la parole de Dieu. Apocalypse 19. Verset 6. Oui. Réjouissons-nous. Alors nous devons nous réjouir, oui. Soyons dans la allégresse. Dans la allégresse, oui. Et donnons-lui gloire. Nous devons donner gloire à Dieu, oui. Car les noces de l'agneau sont venues. Alors les agneaux sont venus. Nous nous préparons à cela, oui. Son épouse s'est préparée. Donc l'épouse est en train de se préparer. Elle est en préparation. Elle attend son Seigneur, son mari. Notre mari, notre époux, c'est Christ. Amen. Mais qui est Christ? Il est la parole de Dieu. Amen. L'épouse ne se prépare comment? Mais en prêtant attention à ce que l'époux dit. Il est l'époux parole. L'épouse aussi qui va voir les mecs doit aimer la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être attentifs à la parole du Seigneur. Quand on dit que là, dans la parole de Dieu, c'est la chose qui va faire répondre votre cœur. C'est la chose la plus sérieuse qui n'est jamais existée. On ne joue pas avec la parole. Oui, frère, nous continuons. Et il lui a été donné de se revêtir, oui, d'un fer-lait. Mais il lui a été donné. Elle s'est revêtie. Elle s'est habillée. Je vais. Nous savons ce qu'il y a de la Bible. Amen. Est-ce que tu vas avoir une nouvelle odeur pour t'habiller? Avant d'aller t'habiller, tu n'as pas demandé. Si tu ne te l'as pas, tu vas s'en aller. C'est tout un processus. Parce que pour pas aller donner une odeur, alors que tu veux te marier, il faut te préparer, il faut enlever les mauvaises odeurs du bois. Mais qu'est-ce que c'est pour l'odeur? Ah! On dit souvent que les hommes aiment tuer quand même. Oui, un garçon ne se lave pas, c'est pas bon, hein? On dit il y a odeur des garçons. Oui. Il n'y a pas de odeur de garçon. On a été jeune homme, on sait de quoi il s'agit. Mais aussi, il y a des odeurs de femmes. Pour la femme d'abord, on devient plus exigeante. Parce que quand c'est la même matin, il y a un soir. Parce que si elle ne se lave pas, il suffit seulement d'un petit mouvement, les odeurs vont sortir du bâtiment. Celui-là, quand c'est la femme d'abord, il ne faut pas respirer. Mais ce n'est pas parti de donner une bonne odeur à son mari et à Christ. Amen. Il n'aime pas le bon péché. Amen. Nous devons nous laver. Alléluia. Amen. Et après cette lavée, nous devons nous revêtir. Nous devons nous habiller décemment, bien habillés. Amen.
tout est dit. Oui, Père. D'un fin, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, oui, éclatant pur. Oui. Car le fin lin, oui, le fin lin, oui, ce sont les œuvres justes des saints. Des œuvres justes des saints. Amen. Bien-aimé. Il y en a qui aujourd'hui sont en train de chercher le lin. Oui, ils vont. Oui, ou bien il va dans un ou deux une boutique, est-ce que tu as le fer lait? Le fer lait, lui, éclatant. Tu veux, non, c'est pas ça. Si tu veux avoir ce lait, il faut avoir des œuvres justes. Amen. Si tes œuvres ne sont pas justes, tu ne trouveras jamais ce lait-là pour acheter. Et puis, ce n'est pas avec l'argent du bon qu'on achète. Amen. Dieu dit qu'il est venu payer sans argent. Alléluia. Mais la même manière qu'il ne veut payer sans argent, il faudrait que vous pouvoir ne pas payer cela aussi, tu aies des œuvres justes, comme il convient à des saints. Donc d'abord, il faut être saint. Parce que le fait qu'il soit saint, ça ne suffit pas. Maintenant que j'ai un saint, Jésus-Christ a racheté, il t'a, comme on le dit, lavé dans ton sang, n'est-ce pas? Il t'a donné la parole pour te laver. Maintenant, en dehors de ça, tu dois pratiquer maintenant des œuvres qui sont justes. Mais si tu as des comportements qui ne te font pas dire, tu fais du mal à toi-même. Maintenant, la terre sur laquelle nous sommes là, c'est quoi? Elle est une condition temporaire, c'est-à-dire limitée. Elle va passer. Alléluia. Ta vie va passer. Mais c'est pourquoi nous devons prendre conscience. C'est Dieu qui est tout pour nous. Amen. Notre vie lui appartient. Amen. Nous devons assainir nos œuvres. Ce n'est pas pour bien faire ou bien faire que tu vas mélanger ta vie. Alléluia. Et que la soeur et le frère sont là pour que tu vérifies bien. À son comportement, mon père qui se présente contre toi, quel est le de l'habitude devant le Dieu? C'est de cela qu'il s'agit. Nous devons prendre conscience. Alors, oui, à vous de m'écouter, nous allons repartir. Esaïe. Esaïe 51. Oui, intéressant. Oui. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Alors, nous devons poursuivre. Quoi? La justice de Dieu. Or, si tu as les œuvres justes, ça veut dire que c'est de la justice. Pour dire que tu poursuis la justice, nous devons courir derrière cela. C'est notre travail là-bas. Poursuivre la justice, la sincérité. Or, la justice, c'est le respect. N'est-ce pas? Le respect des règles et des droits. D'abord de Dieu, puis de Dieu. Respectez les règles de Dieu. C'est la parole. Amen. Respectez les règles, les droits de lui. Comment tu dois prendre ton frère? Comment tu ne peux pas empiéter sur ton frère? Parce que ta liberté, là, ça s'arrête là où tu commences. Il faut donner à ton frère ce que Dieu veut que tu lui donnes. Ce sont ses droits. Quand tu respectes cela, alors tu dis que tu pratiques les œuvres. Alléluia. Alors, tu peux dire que tu poursuis la justice. Puis, bien, nous continuons. Vous qui poursuivez la justice, oui, qui cherchez l'éternel. Est-ce qu'on cherche l'éternel? Ça, c'est l'intelligence. Parce que si quelqu'un dit qu'il est intelligent, qu'il est intelligent, c'est qu'il recherche l'éternel. C'est Dieu. Parce que l'intellect et l'intelligence, c'est la haine du mal et l'amour pour le bien. Si on est intelligent, on va rechercher le Seigneur. Or, si on recherche le Seigneur, on fera ce qui lui plaît et on va rechercher ce qui ne lui plaît pas. Oui, frère. Portez les regards sur le
été trahi. Donc il y a un rocher. Jésus est le rêve séculaire. Quand certains chantent, il dit le rêve séculaire. Il ne faut pas dire quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Mais on chante séculaire. Or, c'est le rêve séculaire. Amen. Le rêve des siècles. Il est siècle. Amen. Amen. Quand on cherche quelque chose que tu ne comprends pas, est-ce que tu viens d'être accepté de Dieu de condamner quelque chose de Dieu à faire ce que tu as? Donc on chante, on ne se met pas sur nous dessus. On dit que ça vaut Dieu, et là il dit vaut Dieu, vaut Dieu, vaut Dieu. Il faut chercher à t'acquérir. C'est ça aussi la même pour la vérité là. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut se faire comprendre maintenant. Parce que mon père va commencer à vous dire vaut Dieu. On dit ça, on dit ça, on dit ça. On dit c'est qu'il est notre vie séculaire. C'est le roc séculaire. Le rocher qui a tué des siècles et des siècles. Amen. Et c'est resté intact. Les autres rochers se disent. Mais lui, il devait toujours le faire. Alléluia. Amen. Donc, portez les regards. Regardons-le. Oui. Ayez les regards pour venir Jésus. Vers le Seigneur. Vous voyez qui il est? Il est le rocher d'où nous avons été taillés. Si nous avons été taillés du rocher, ça veut dire que nous sommes des petits rocs. Mais les rocs, le roc là, c'est qui? Et tu es là? Alléluia! Ta maison est partie sur quoi? Il y en a, la pratique de la parole, c'est pas leur affaire. Si tu es un rocher, c'est que tu as été taillé de Christ. Si tu n'as pas été taillé de Christ, c'est que tu n'es pas un rocher. Tu es un sac pour moi. Je voudrais qu'on dise quelque chose dans Matthieu 7. Nous avons eu Matthieu 7. Le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Quiconque. Ça veut dire quoi? Ton corps est ta peur. Mais qui est quiconque? Quiconque est le même qui ici? Celui qui écoute. Celui qui sait écouter. Celui qui sait prêter attention à Dieu. Entends les paroles que je dis, lui fait. Et les met en pratique. Alors il attend. Et puis quand il attend, son cœur est joyeux. Il arrive à la maison, il dit au Seigneur, aide-moi. Parce que ce que j'ai entendu, il voulait que cela soit de ma vie. Il voulait que j'ai vu de selon cela. Je dois le mettre en pratique. Un enfant de Dieu ne peut pas l'aider. Il ne donne pas la visite à son frère. Mais il donne la joie. Amen. Mais il y en a quand il quitte la maison, ils sont battus. Il garde tout autour de lui. Tout le monde va se bâcher. Parce que lui, il vient avec son humeur de voleur et il brise la joie des autres. Non. Ça ne va pas à la maison. Tu sors. Je vais dans la maison du Seigneur, ça va aller. Amen. Donnez de la joie. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Soyez toujours joyeux. C'est pas cela. Amen. Mais Dieu dit cela. Et nous, on dit quoi? Avant de le connaître, alors que le Seigneur ne sait pas être joyeux, est-ce que le Seigneur lui-même ne sait pas que souvent nous pouvons être attristés? Mais il le sait. Quand même qu'il sait que nous pouvons être attristés, là où il y a la détresse, c'est lui seul qui fait les autres problèmes de la détresse. C'est pourquoi nous devons vivre dans la joie. Alléluia. Alors, bien aimé, comme il le dit, celui qui entend la parole et qui la met en pratique, il est comment? Sera semblable à un homme prudent. Alors, parce qu'il a entendu la parole de Dieu,
Les mêmes qui sont en train de mettre en pratique la parole et qui l'ont écouté, ils ne sont pas prudents. Non, dans la bouche. Ah, mon Dieu, de ce qu'il y a des prudents, tu vas être en parlant. C'est là que nous allons discuter avec nos prudents. Commençons d'abord à mettre la parole de Dieu en pratique et Dieu dit qu'ils sont prudents. On a entendu. En pratique, Dieu dit à la mort, toi tu es un homme prudent. Tu es une femme prudente. Tu es une bien-aimée soeur prudente. Alléluia. Parce que non seulement tu écoutes, mais je fais des écoutes, tu marches selon cela. Alors, le Seigneur nous appelle comme un prudent. Alors, il sera quoi cela? Semblable à un homme prudent, oui, qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, quel roc? Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Le rocher, tout nous avons été taillé. La maison est dit, c'est toi-même, c'est ton petit cœur, c'est ton corps, c'est ta maison est évoluée. Parce qu'il y a des maisons comme ça, tu l'as, pourquoi il a pas ça jusqu'à dans le pouvoir d'être paru, tu ne peux pas respirer quand tu l'as dans la maison, tu t'es gâté. Spirituellement, il y a des maisons comme ça. Il vit dans le péché. Il baigne dans le péché. Sa vie est une vie de pourriture. Dieu ne peut pas respirer parce qu'il se comporte mal. Parce qu'il vit mal. Bien aimé. Et il y a plusieurs odeurs de pourriture. L'odeur d'un éléphant, là, c'est différent de l'odeur d'un carreau. Amen. Oui. Une sauce qui fait une autre sauce. Allez-y dans le premier élément. Donc, quand tu manges, il y a son odeur. Quand tu bois, il y a son odeur. Quand tu as l'odeur, il y a son odeur. Quand tu as l'odeur, il y a son odeur. Et il y a plusieurs odeurs qui puent. Et Dieu veut qu'on se sépare de cela. N'ayons pas l'odeur de Christ. Mais ayons en nous le parfum de Christ. Amen. Oui, bien aimé. La pluie est tombée. Donc, le problème est venu. Quand les problèmes sont bien, on sait qu'il y a un problème. La pluie, quand la pluie vient, là, ça casse les arbres. Il y a un vent là-dedans. C'est un torrent. Ça tombe des secouer. Et quand les problèmes viennent, tu oublies Dieu. Parce que ton comportement, tu montres que tu ne peux même pas qu'il y ait un Dieu qui existe. Non. Le problème vient. Tu vas devant Dieu. Là-bas, ton visage, ça ne t'a même pas regardé. Parce que tu as un genou. Tu vas te les parler avec papa. C'est là-bas que tu cries et tu pleures. C'est là-bas que tu t'appelles ton sort. Quand tu sors, on ne sait pas que tu as un problème. Tu souris, mais qu'est-ce qui se passe? Puis ça va bien. Parce que tu sais à qui tu as parlé. Amen. Tu sais où tu es quitté. Alléluia. La pluie ne peut pas te mettre. Les torrents ne peuvent pas te mettre. Parce que tu as la bouche de pratiquer la parole de Dieu. Tu as été bâti sur le rocher. Ce n'est pas la pluie et les femmes qui sont venus te tourmenter pour bien t'empêcher les femmes de réaliser le dessein de Dieu. Aimons le Seigneur. Approchons-nous à Dieu. Oui, bien aimé, nous continuons. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Oui. Les vents ont soufflé et oui, se sont jetés contre cette maison. Donc, quand nous regardons, il y aura des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Si tu es en Dieu, tu n'es pas en Dieu. Si tu pratiques, tu ne pratiques pas. Il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi il faut s'approcher. Il faut pratiquer. C'est la pratique qui donne l'expérience. Si tu ne pratiques pas, tu ne seras jamais expérimenté. Quand tu as pratiqué la parole de Dieu, à un moment donné, on dira que maintenant tu es un homme cultivé. Alléluia. Oui, frère. Elle n'est point tombée. Oui. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle a été fondée sur le roc. Parce que la maison dont nous représentons chacun d'entre nous a pour tout par ce bas Christ. Alléluia. C'est lui qui nous tient. Ces choses-là ne peuvent pas nous faire chambouler. Ce n'est pas quelque chose qui va venir nous arracher de l'amour de Dieu. Bien aimé, cela ne se peut pas. Oui, frère, continuez à dire. Mais quiconque entend ces paroles que je dis oui, et ne les met pas en
pratique. Alors, ça, c'est important. Parce qu'il ne va pas pratiquer. Oui. C'est la manière de faire finir. Mais vous ne pouvez plus de cela. Côté les lumières, si ton frère veut me chercher, et qui c'est pour mon travail. Portez les dégâts sur vous-même, mon vie. Tu sais quoi? Tu vas chercher quoi sur ton frère? Tu es devenu là-là? Bien aimé, c'est de l'imprudence. Parce que tu as fait des mystères. Pour une fois, tu as dit. Mets la parole de Dieu en pratique. Peut-être en temps. Tu sais qu'à toi, la fin tu es entre toi, même, il y a des choses que tu n'as pas réglé. Tu es parfait. Tu as des corrections. Tu travailles pour cela. Amen. Mais c'est nos bouches que nous utilisons pour parler de Dieu. Pourquoi? Oui, bien aimé. Cela semblable à un homme insensé. Et Dieu dit. La plus jeune chose. Bien aimé, c'est quand tu sais que tu as des lacunes. Et puis tu te vas condamner quelqu'un qui a fait. Tu veux juger qui? Tu veux donner des leçons à qui? On n'est pas venu dans la maison de Dieu pour nous juger. Mais on est venu pour aider, pour permettre à Christ de nous aider à être ce qu'on doit être. Alors même on fait l'essence, on s'occupe des choses qui sont utiles. On veut utiliser un homme pour toi. Je viens dans la maison de Dieu. Je viens rencontrer mon Dieu. J'ai trop souffert de ma vie. Vous venez m'amuser. Je dois grandir. Je dois avancer. Quand je viens, je dois m'apitoyer à écouter ce que Dieu me dit. Et quand je finis, à l'intérieur, je passe, je dis à moi, qu'est-ce que tu as dit? Et comment est-ce que je fais pour pouvoir vraiment arriver à faire ce que tu m'as dit de faire? C'est mon travail à ça. Quand je fais cela, je veux donner de bons résultats. Ce que Dieu n'a pas dit, et que quand je fais, tu vas me positif. Oui, bien aimé. Oui. Qui a bâti sa maison sur le sable. Alors, le sable. Vous voyez, allez-y au bord de la mer. Le sable mouillé là. On construit un château. Ah, j'ai vu à la suite des grâces. Le blanc qui a fait ça, il a construit un joli château. Procuré. Quand il dit, quelle belle maison. Et puis, il y a une marée qui est venue. Une femme est venue. C'est tout fait. C'est un rêve. Il donne le même château. Quand vous voyez sa bouche, il a deux yeux peut-être qu'il mange. Il sourit. Il écoute. Pour lui, parce que c'est réveillé. Et puis un coup, il attend du pied, et puis il se réveille en tuto. Et puis il frappe son visage. Il est toujours dans les illusions, dans les rêves. Sa vie ne sera jamais une réalité. Parce qu'il a marché sur quoi? Sur le sable. Pourquoi? Parce qu'il a été insensé. Or, s'il avait pris le soin de bâtir sur le rocher, alléluia, le rêve va devenir une réalité. Parce que ce que tu dis, quand tu dis bien, quand tu te comportes bien, les sages que tu te montres, c'est la réalité. Mais quand tu dis mal, Satan va commencer à t'inspirer. Mais ta vie se porte mal. Encore même, ça ne va pas. Et puis tu as vu du monde des défauts des autres. Mais on est où? Parce que si c'est normal, si c'est quoi, ça ne va pas. Dieu va venir te révéler ta vie qui ne va pas. Et puis quand tu révèles ça ne va pas, quand tu sais que ça ne va pas, tu as besoin de révélation. Pourquoi on sait que ça ne va pas dans ta vie? Bien aimé. Les songes, c'est bon, hein. Mais les songes, je ne t'ai rien dit. Amen. Quand tu sais où tu as mis les pieds, c'est que tu vis. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui va débranler. C'est une question de vie. Si tu dis bien, et puis les gens vont venir prophétiser pour dire que vraiment j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais c'est de l'heure. Parce que les
C'est pourquoi Dieu dit, les dons, ce n'est pas la folie. Amen. Un don ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Tu peux avoir 1000 dons. Si tu ne prends pas la parole de Dieu, c'est zéro. Amen. C'est lui qui n'a même pas un don là. Parce qu'il n'y en a même pas qui n'a pas de don. Tout le monde a un don. Donc il a un seul don. Et puis son don là, c'est aimé à pratiquer la parole de Dieu. Parce que c'est le don là que nous voulons que chacun demande à Dieu. C'est donc de pratiquer la parole de Dieu. Parce que c'est un don qui va t'amener au ciel. Amen. Et ça, c'est le don de Dieu. Donc, il y a des insensés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Bien-aimé, un frère va venir te dire, frère, c'est trop dur. Ou bien, tu parles trop mal. Un, deux, cinq ans, et tout pour ça. Est-ce que ça, c'est normal? Et tu ne travailles pas? On parlera d'humilité. Si tu es un endroit, est-ce que tu as entendu? Tu vas commencer à bosser un peu, quand tu vas marcher, quand tu vas te regarder un peu,
tu vas essayer de te comparer avec ceux qui sont ici, parce que toi t'es parti. Non, mais moi aussi je grossis. Il veut que je suis appelé à faire un peu plus que eux. Et si le suis, ça va chez moi. Il voulait que je monte. Non, toi, ta vie, là, maintenant, c'est la concurrence. J'en viens de mettre ici à te comparer. Au lieu de dire la parole de Dieu. Mais la rue, tu t'attends à ce que je connais. Parce que Dieu a tout fait. Amen. C'est pourquoi tu es venu. Approchons-nous à Dieu. Une fois que nous continuons dans notre vie. Portez l'héritage sur le rocher dont vous avez été taillé. Oui. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Oui. Portez les regards sur Abraham, votre père. Bon. Et tu dis, portez les regards. Portez les regards. La première personne de Dieu qui veut porter les regards, c'est le retour des siècles. Jésus. La parole. Et ensuite, on peut porter les regards sur les hommes pieux. On ne peut pas les regards sur les hommes qui. Il faut aider celui-là qui m'a dit la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand vous avez porté les regards sur l'excellence, maintenant, vous descendez sur celui sur qui la vie de Dieu les met implantée. C'est le cas d'Abraham, notre père. Alléluia. Abraham fut dans Dieu, n'est-ce pas? Il a hésité. Et il a pratiqué ce que Dieu a dit. Et cela lui a été imputé en justice. N'est-ce pas? Abraham a poursuivi la justice. Comme on l'appelle, le père de la foi. Qui sommes-nous? Des enfants de la foi, n'est-ce pas? C'est pourquoi Abraham est notre père. Et Dieu dit, portez les regards. On n'a pas dit que les regarder ainsi, les bons, ici, les bien. Non. La manière dont il a aimé Dieu, la manière dont il a écouté Dieu et qu'il a pratiqué la parole de Dieu, c'est de cette manière que nous pouvons porter l'héritage sur Abraham. Amen. Et Dieu fait le miracle. N'est-ce pas? Oui, bien aimé. Et si Sarah qui vous a enfanté. Alors, comme Abraham a été un homme de Dieu, Sarah aussi a été une femme de Dieu. Oui. Quand même temps, on sait qu'il y a eu des épreuves, mais elle est venue du fils. Alléluia. C'est vrai qu'elle a ajouté ma foi, mais elle est venue. Il faut retenir de ses erreurs. Mais corriger et avancer. Amen. Alors vous serez comme Sarah, votre mère. Pour le faire. Et nous, nous serons comme Abraham, notre père, pour le faire. Alléluia. Sarah était soumise à Abraham, il appelait son maître. Il appelait ses appelait Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est d'être que vous êtes aussi là-dessus. Oui, bien aimé. Quand lui seul je l'ai appelé, oui. Je l'ai béni, oui. Et multiplié. Donc, comment Dieu peut-il me dire de porter les regards sur Abraham? Si nous portons les regards sur notre père Abraham, est-ce que nous limitons? D'abord, comme c'est écrit dans les Épîtres, soyez les imitateurs de Dieu. C'est pas ça? Amen. Et puis l'apôtre Paul l'a subi, il lui serait des imitateurs comme je le suis du Seigneur. Amen. De Christ. Alors, nous devons porter nos regards sur le Seigneur. Et ensuite, porter les regards sur la manière dont Abraham a marché. Et la manière dont Dieu s'est tenu avec Abraham. Et là, comme il le dit, il dit. Père, puisque je l'ai appelé. On a lu, nous avons été taillés du rocher de Christ. Et Dieu dit que quoi? Ceux qui l'a justifié, il les a d'abord appelés. N'est-ce pas? Il nous a justifié, il nous a aussi appelé. Tu as un appelé de Dieu, mon frère. Seul, tu as eu un appelé de Dieu. Amen. Maintenant, si tu as eu un appelé de Dieu, peut-être que tu as porté les regards sur le Seigneur et Abraham. Alors le Seigneur dit quoi? Ce qui suit là aussi sera pour toi. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Car à lui seul, je l'ai appelé, ouais. Je l'ai béni et multiplié. Je l'ai béni et multiplié. Amen. Alors, le Seigneur, ma femme.
C'est sa vieille Dieu lui a donné des enfants. Dieu l'a béni. Bien aimé. Si tu entends la parole de Dieu, et que tu la mets en pratique, le Seigneur, c'est que le Seigneur qui justifie la main et le Seigneur pour toi. Les vrais adorateurs, tu as dans l'amour de Dieu, Dieu va les bénir. C'est pourquoi, dans la foi, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas d'orgueil. Toi, ton orgueilleux, t'as eu. Qu'est-ce que toi tu as eu? Et puis tu t'as parlé. Bien-aimé, qui étais-tu? L'apôtre Paul en parle. Nous allons prendre le livre du Corinthien. Un Corinthien chapitre 4. Nous allons lire rapidement. À partir de 7. 1 Corinthiens 4. Ainsi, quand vous regardez comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, oui. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, oui. C'est que chacun sera trouvé fidèle. Donc, l'exposateur, et à l'insu de le peuple de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle à Dieu. La fidélité, lui fait. Pour moi, oui. Il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Donc, et ça, c'est la vie des serviteurs de Dieu. Vous le jugez. Vous ne jugez pas. Surtout qu'il est conscient de ce qu'il fait, peu importe la manière dont vous allez le juger. Ça n'a même pas été. Bien-aimé. C'est vrai. Quand vous jugez cette vie de Dieu, si vous êtes bon, vous êtes aimé. Mais il peut se taire. Et quand il se taire, c'est dangereux. Peut-être qu'il ne s'occupe plus. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent avoir ça en eux. Ce n'est pas ce que les hommes vont dire là qui est important. C'est ce que Dieu pense. Amen. S'ils font mal, Dieu va leur dire, là, tu as fait mal. Ou bien le serviteur de Dieu a venu vous dire, frère, est-ce que ça l'a fait bien regarder? Ça, c'est l'amour de Dieu pour le serviteur de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Ou par un tribunal humain. Donc, même on a pas le juger. On va vous amener un tribunal. On va l'attraper les liens pour le juger. Ça n'a rien fait. Oui, frère. Je ne me juge pas non plus moi-même. Alléluia. Mais c'est quand même que tu travailles. Tu as plus conscience de ses failles, de ses faiblesses, et tu travailles. Mais il ne peut pas se juger lui-même. Il est tranquille. Un vrai serviteur de Dieu, si c'est sa personne qui fait mal à un frère, il va l'aider. Amen. Il ne peut pas continuer. Avant qu'il ne le sache pas. Amen. Si il faut faire quelque chose du papa, il va corriger cela. Amen. Même si le frère ne le comprend pas, si la soeur ne le comprend pas. C'est pourquoi les serviteurs sont forts. Oui, bien aimé. Car je ne me sens coupable de rien. Parce qu'il fait toujours ce qui est juste devant Dieu. Et ce qui est bien. Oui, bien aimé. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Oui. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu vont se prudents. Avant toujours l'intérêt du Seigneur. Non, non, tu m'en es. Fais ce qui est bien selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui juge. Oui, frère. C'est pourquoi oui. Ne jugez de rien avant le temps. Quand le temps n'est pas encore arrivé, il ne faut pas juger. Parce que tu peux dire quelque chose, tu peux croire que c'est ça. Et qu'est-ce qui dit que c'est ça? Tu ne veux pas que tu es serviteur de Dieu, c'est là pour dire ça. Toi, tu dis comme il a dit ça, moi je pense que c'est comme ça. Tu juges avant le temps. Et c'est dangereux. C'est pourquoi Dieu, de vous, a dit que personne ne juge le serviteur. Lui seul, il ne juge son serviteur. Si tu avais cette habitude de faire foi avec Dieu,
Parce que ça va te construire pour une bonne parole. Qualité. Ne cherchez pas les serviteurs de Dieu. Si quelqu'un vient, comme je disais, il vient de si tu rencontres une seule bien faite et puis il a commencé à parler, des serviteurs de Dieu, tu as entendu son nom, pardon. C'est bon, il faut laisser là. Dans le bois, c'est de prier pour les serviteurs de Dieu. Et tous les serviteurs de Dieu d'ailleurs. Sans les juger. Et puis, s'il y a quelque chose dont toi tu penses que le serviteur de Dieu ne comprend pas, ou bien le serviteur de Dieu ne comprend pas, va clarifier l'affaire. Essaye de venir les rencontrer pour donner les éléments et les raisons pour lesquelles les choses sont en train de dessiner comme ça, pour qu'ils puissent plus percevoir. Parce que s'ils perçoivent bien la chose, ils vont faire justice. Ils vont dire le droit. Parce que Dieu les a appelés pour dire le droit. Mais il ne veut pas tout saigner. Il ne veut que réellement dire selon que eux, ils vont percevoir la chose. Celui-là qui a l'air qui voit la chose, et il dirait de celui qui est derrière qui voit la chose. Mais Dieu lui voit tout et qui sait pourquoi son serviteur dit comme ça. Oui, bien aimé. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Alors, étant même dit, le sujet de bien jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est-à-dire quoi? Toi, ton devoir, c'est de prier. Même si tu ne comprends pas, faut prier. Je lui dis au temps marié, lui, il va te donner la réalité des choses. Mais là, on va commencer. Ah, vous attendez jusqu'à le Seigneur, vous ne pas justice. C'est compliqué, hein? Mais Dieu dit la foi sans ça. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, ça aussi, c'est la parole de Dieu. Le jugement. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Parce que le jugement a plusieurs patterns. Les enfants de Dieu sont jugés par la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, avec les règles établies par Dieu. Et Dieu lui-même juge ses serviteurs. C'est le jugement de Dieu là-bas. Oui, frère. Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Oui. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Donc, qui va mettre en lumière, c'est pourquoi nous devons nous battre à bien faire. Amen. On doit prendre notre Dieu en sérieux, bien aimé. C'est que du fait, on ne voit pas. Oui. Ah. Et si, avec le passage de l'église, pasteur. Mais moi, que Dieu te bénisse, et puis qu'elle dit tout le doute. Tu me lèves. Dieu te voit. Amen. Donc, c'est que j'ai. Pourquoi tu peux laisser? Alléluia. Et tu, au bon moment, tu ne dois pas avoir fait la lumière. Non. Toi, tu regardes lui, tout ce que tu faisais, tu t'es caché à la vie, tu dis, voilà ce que tu fais. Amen. Et puis, il y a une récompense derrière. Si c'est bon, il va te récompenser. Si c'est mauvais, il va te récompenser. Amen. On reçoit une bénédiction de la part de Dieu, en bien comme en mal. Amen. C'est toi qui entends nos pieds. Amen. Il vient de venir dans les pieds. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Oui. C'est à cause de vous, oui. Frères, oui. Que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Donc, entre nous, serviteurs de Dieu, on s'applique des choses. Mais pourquoi? Mais parce que nous sommes en train de bien faire en dehors de la parole de Dieu. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Faut donner la parole de Dieu, c'est que Dieu nous l'a dit. Le jour que toi tu es présenté, tu as dit ça, c'est voilà ce qu'il a dit. Il dit, j'ai fait de ces choses une application à moi-même, serviteur de Dieu, et à Apollos, mon collaborateur. Après de quoi? Oui. Afin que vous appreniez en nos personnes, vous, en nous regardant, vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bien aimé, ce que Dieu n'a pas dit, il ne fait jamais. Amen. C'est dangereux. Mais il y en a qui font ce que Dieu n'a jamais dit. On imagine. On établit des femmes éducatrices. Des diaconesses qui ne sont pas mariées. On fait toutes sortes de choses. On donne n'importe quoi à n'importe qui. Mais les serviteurs de Dieu doivent venir pour faire ce qui est écrit. Oui, frère. Et que nul de vous ne conçoit de l'orgueil, oui. En faveur de l'un contre l'autre. Vous savez qu'ici, la célébrité, vous entrez même dans le bureau. Si il y a un frère ministre de Dieu, il y a un pasteur dans la traversée, le pasteur se dirige par là. Ça se passe. Si le pasteur est sorti, il a apporté quelque chose, il n'est pas fait, le pasteur vient ici et lui dit, ah frère.
Ce que Jésus n'a fait pas, c'est pas juste. Voilà ce qui est. C'est ce qu'on fait. Amen. On n'est pas aujourd'hui. On est sous le qu'on soit pas de l'orgueil. L'orgueil n'est pas de la foi. Oui, bien aimé. Car qui est-ce qui te distingue? En quoi tu es mieux que moi? Bien aimé. Non, lui n'est plus que moi parce qu'il a Dieu l'argent plus que moi. Nous sommes le cadeau de moi. L'argent, l'amour de l'argent. C'est lui le déracine de tout le monde. Amen. Si tu aimes l'argent, c'est ton parasite, c'est ton fruit de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui a rendu le Christ. Bien-aimé, on est de la foi. Dieu nous a aimés d'abord et puis nous a donné l'argent. L'argent ne doit pas nous influencer vis-à-vis de nos frères. Je dis toujours aux frères, quand tu as de l'argent, c'est là même que tu dois être très heureux. Amen. Si tu ne dis pas de ton argent, ça t'a pas été toi. Mais qu'est-ce que tu as? À quoi tu distingues? C'est la parole de Dieu qui donne distingue. Amen. Oui, frère. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Oui. Et si tu l'as reçu? Oui. Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien vrai. Qui peut s'étaler de comme toi? Si nous sommes tous contents, c'est Dieu qui nous a donné. Amen. Si quelqu'un t'a l'air devant Dieu, et puis il dit, Seigneur, ça là, c'est mon père, comment ça va aller là? Moi là, c'est moi qui me suis dit, il est pas chaud. On dit, bon, il n'y a pas de problème. Si tu passes cela, c'est dangereux. Il te pose la question, qu'as-tu que toi tu n'as reçu? As-tu que toi tu as reçu de moi? Pourquoi est-ce que tu te glorifies? Dans la maison de Dieu, tu as mis des glorifiés? Bien aimé, nous devons faire ça. Amen. Oui, frère. Déjà, vous êtes rassasié. Oui. Déjà, vous êtes riche. Oui. Sans nous, vous avez commencé à régner. Donc, tout ce qu'on a, même les dons, les talents, tout ce qu'on a, que fait l'esprit de l'enseignement, de l'action, de tout ce qui se passe, dans les affaires, c'est Dieu qui se glorifie. Amen. On va être heureux. Mais si tu as ça, comme tu es là, comme tu es grand, comme peut-être, comme on le dit, tu pêches bien, comme tu chantes bien, comme tu es de l'argent, bien aimé, tu commences à régler. C'est vraiment ça, moi. Et vite, ça ne sera plus la même. Mais si tu te trompes, toi, tu es tu n'es pas Dieu. Amen. On ne dit pas ça. Déjà, j'ai des petits règles. Comme j'ai l'argent, je veux me faire des diamants au bout. Je dis, qui n'est pas de division de sa maison? Qui n'est pas de sexe? Si tu as de l'argent, c'est pour unir les frères. C'est pour concilier les frères. Amen. C'est pour servir Dieu. Tu as un don, utilise ça pour glorifier Dieu. Amen. Mais si tu utilises cela d'autres manières, et puis, tout ce que tu as, tu ne peux pas régner sans les affaires de Dieu. Tu as où? Même si tu as de l'argent, tu ne dois régner et parler des affaires de Dieu. C'est pourquoi je dis ici, déjà, ces terres ont commencé à régner sans nous. Ce sont des esprits qui ont résisté autrefois. Mais cela ne veut pas que nous soyons rapides de cela. Bien aimé, oui, bien aimé, nous allons terminer. Et puissiez-vous régner en effet, oui. Afin que nous aussi, oui. Nous régnions avec vous. Alléluia. On ne peut rien faire de la maison de Dieu sans le serviteur de Dieu. À vous, c'est l'esprit. Donc c'est la parole. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Mais quand les gens vont se passer à la vie, vraiment, le pasteur là, ou bien les serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont Dieu et qu'ils sont tous les tout. Oui, mais ils ont Dieu en eux.
pouvez pas régler ça, mais c'est Dieu. Si Dieu devait vous bénir, c'est parce que Dieu n'est pas Dieu pour vous bénir. Mais Dieu ne va pas vous bénir. Et puis là, ils vont souffrir. Mais ce n'est pas possible de faire. Si vous régnez, il règne. Et il règne bien. Ce que vous faites, il doit le savoir. Amen. Parce que quand vous étiez bénis, eux, ils étaient avec vous. Ce n'est pas maintenant que Dieu va faire de vous quelque chose, que eux, ils ne seront pas là. Non, 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 non. Dieu n'est pas pour ça. Amen. C'est pourquoi l'argent est bien. Bien aimé, c'est l'homme qui est important. Amen. C'est la vie de Christ qui est importante. Alléluia. Oui. Quand le président de la République vient, on dit voilà, ça va. Ah, c'est la main du pasteur. Maman. Alors, pour l'argent, tu ne peux pas les mettre dans son petit village. Pour le début, les gars, maman, les gros, elle est morte. De chagrin. On a dit maman, 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 maman. Quand il a ajouté, on a ajouté le deux personnes, les parents, nous l'a ajouté. Bien aimé. Oui. Quand demain tu devais quelque chose d'important, ton importance, la voix élevée, ton pasteur et tous les autres serviteurs de Dieu. Amen. Si tu n'as pas compris cela, là, c'est que tu as fait pitié. C'est pas dans le sein de Dieu que tu vas. Nous devons comprendre les choses de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse.